ils sont bien, il y en a, ils sont techniques, ils frappent bien. C'est, pour un début, c'est bien quoi. Pour les gamins, c'est super cool. Ils sont super contents. Il y en a beaucoup qui n'ont pas souvent l'occasion d'aller au stade, voir les pros, etc. Là, le fait que les pros se déplacent carrément pour venir ici au stade Charles Martin, vous imaginez que c'est une grande joie pour eux. Échanger, voir que ce sont des gens accessibles, comme tout le monde, ça c'est une bonne chose pour eux. Et puis leur poser quelques questions sur le métier de footballeur, etc. Ça peut les aider un petit peu dans leur apprentissage, ouais, nickel. Quand t'étais petit, tu marques des buts ? Ouais, j'avais la chance d'en marquer, ouais. C'est qui, lui ? Vous l'avez dit, en plus. Sûr. Non, c'est pas lui. C'est Nguema ? Non, ça commence par un T. Pourquoi ? Hein ? Traoré. Voilà. Traoré, j'ai le maillot. Il était à Paris avant. Quoi de plus beau, quand ils sont enfants, justement, ben, d'avoir beaucoup de copains et puis de prendre du plaisir tous les mercredis après-midi à l'école de football. Elle fait rêver les jeunes, cette venue, elle est opportune. Je remercie vraiment les Girondins de Bordeaux et je remercie la mairie de Bordeaux qui ont été justement partenaires de cette opération et j'espère que d'autres clubs vont pouvoir en bénéficier à leur tour. Bon Maxime, ça te rappelle des souvenirs ça, j'imagine ? Ouais, ça me rappelle des souvenirs, mais c'est sympa. Comme quand j'étais gosse quoi. Tu leur as montré 2-3 trucs, expliqué 2-3 trucs là ? Oui, j'ai parlé avec quelques-uns, surtout avec un adversaire qui voulait me mettre des petits ponts. Bon, il est là, c'est lui. Voilà. Tu t'appelles comment ? Ilian. Mais bon, c'est un bon petit joueur, il est sympa. C'était ton but aujourd'hui, mettre un petit pont à Maxime ? Ouais. Lui aussi, il voulait, mais il n'a pas réussi. Et le BAC, c'est déjà, c'est le plus vieux club de football amateur en France. Donc, c'est pas rien. C'est le deuxième club le plus vieux de France après le Havre Athletic Club. Donc c'est un club qui existe depuis 1876. Sportivement, c'est pas mal. Et puis on continue à travailler beaucoup sur l'école de football, comme vous voyez, qui est très important pour le club. Moi, j'étais au Mali. Nous, on n'avait pas tout ça comme les matériels, tout ça. C'était un peu difficile pour nous. Vous savez, en Afrique, on commence à être dans les quartiers. On se démarque, quoi. Il n'y avait pas de matériel, rien. C'était pas facile pour nous, mais ils ont eu la chance d'avoir tout ça. Le football, c'est beaucoup de discipline, c'est beaucoup d'abnégation et c'est surtout de la camaraderie. Avec ces valeurs-là, si vous voulez, moi je suis persuadé que parmi eux, certains deviendront professionnels. Je vais rêver des Girondins ce soir. Je vais pas dormir.